Bonjour et bonjour à tous. Donc, je vais faire le test de Blur sur Xbox 360, un jeu créé par Activision. Et donc, voilà le menu. Donc, carrière, autocollant, showroom. Il y a plein de choses comme ça, bien sûr. Donc là, vu que je suis tout seul, je vais prendre carrière. Donc, carrière, nous avons plein de personnes. Donc ça, c'est tous les défis. Donc, je vais en prendre un de là que c'est que j'en suis. Donc là, il y a tous les courses, les points, les face-à-face. Et voilà. Donc alors, je prends la course, par exemple. Donc je suis au B. Donc je prends le B. Donc les B, c'est des voitures qui roulent assez vite. Au niveau vitesse. Donc nous avons un peu de tout. Un peu de toutes les marques. Mais bon, comme, moi, comme d'habitude, je prends toujours la BMW. Donc attention. On va voir ça. Donc là voilà le chargement. Donc au chargement on voit les objectifs principaux, les objectifs fans. Donc là il en faut 2200. Les slaloms de fans. Donc les slaloms de ben, de toute façon je vous expliquerai pour le jeu bien sûr. Donc alors hop, nous voici au démarrage du jeu. Hop, c'est parti. Donc voilà, les graphismes ils sont pas mal. Au niveau jouabilité c'est pas mal aussi. Sur une échelle de 0 à 10, sur une échelle de 10, je donnerais au niveau graphisme 8, maniabilité 8, et au niveau effets spéciaux 9. C'est vraiment un jeu, il est bien, il est pas mal. Donc voilà. Donc alors les choses rouges. C'est des mines qu'on lance, comme dans Mario Kart. En fait, c'est une sorte de Mario Kart 2, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, alors, les choses rouges, c'est les mines. Les choses vertes, c'est les turbos, donc la nitro. Les choses violettes, les choses roses, je veux dire, excusez-moi. C'est les shurikens. Les choses jaunes, c'est pour réparer la voiture. Les choses oranges, c'est pour... pour lancer des mines derrière. Et enfin les choses jaunes, c'est la réparation. La chose bleue, c'est les éclairs. Et la rose et la violette, c'est on se met à côté de quelqu'un et ça fait une sorte de tremblement de terre. Et donc ben après là il y en a encore une dernière, c'est la blanche, c'est un bouclier, une sorte de bouclier que c'est qu'on peut vous tirer dessus, ça craint rien. Donc voilà, donc ça dérape, ça fume. C'est un bon jeu, franchement, c'est un bon jeu de voiture. Bon ben là vous avez le menu pause. Voilà. Bon ben au revoir les amis et puis ben à la prochaine fois sur pour un test de Blur.